jour, notre méditation du jour, notre témoignage devant les autres. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ésaïe 58, versets 6 et 7. Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, et il est temps que nous comprenions ce que nous devons faire pour être sauvés. Le Seigneur travaillera intelligemment pour tous ceux qui travailleront intelligemment pour lui. Mes frères et sœurs, il y a davantage à faire pour vous que de vous asseoir dans vos églises sabbat après sabbat pour écouter la prédication de la parole. Vous avez un travail à accomplir pour vos amis et voisins. Dieu demande que vous rendiez visite à ces familles et que vous cherchiez à susciter un intérêt pour la vérité destinée à notre époque. Vous ne collaborez pas avec Dieu si vous négligez d'aider les autres à se saisir des réalités éternelles. Nos pasteurs ne doivent pas être encouragés à rester dans les églises pour répéter aux croyants les mêmes vérités semaine après semaine. Nous possédons une précieuse vérité de salut. La parole de Dieu doit être semée dans bien des cœurs. Le pain de vie doit être distribué à bien des âmes affamées. C'est une œuvre bénie que de présenter le Christ au monde. Lorsque l'œuvre du jugement sera terminée et que les décisions auront été prises pour l'éternité, on constatera que ce sont ceux qui se sont donnés de tout cœur au service de Dieu qui seront trouvés droits aux yeux du ciel. Certains n'auront peut-être pas pu quitter leur famille pour se rendre dans les missions, mais ils ont été missionnaires dans leur quartier. Leur cœur a été tellement rempli de l'amour de Dieu que leur plus grand désir a été de lui gagner des âmes. Ce fut pour eux un gain bien plus précieux que l'argent, l'or ou les biens de ce monde. Et tandis qu'ils travaillaient dans la simplicité pour répandre la parole de vérité, l'Esprit de Dieu a envoyé la parole dans les foyers pour toucher le cœur des hommes. Mes frères et sœurs, étudions la simplicité de la parole de Dieu. Voyons ce que nous pouvons faire pour l'avancement de la cause du Christ sur la terre. Le Christ était sur cette terre en homme de douleur et habitué à la souffrance. Beaucoup se dressèrent contre son œuvre. Il y en aura qui s'opposeront à vous. Mais votre travail consiste à prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Lorsque vous vous y consacrerez, le salut de Dieu sera révélé dans la conversion des âmes. Que votre lumière brille là où vous êtes. Emparez-vous de la puissance qui est en Christ et apprenez à triompher par les mérites de son sang et la parole de votre témoignage. Amen.